Hey, salut, salut, bonjour, bon matin. Je pense qu'on est le 12 novembre, là, un dimanche. Il y a un lancement de livre là, au village que j'aimerais aller, mais là, je suis trop dans le jus. Fait que vous vous souvenez de ça, débusqueuse à câble, Tri-Farmer C4 1964, avec un beau moteur Ford de 172, ben c'est ça, 1964. 4 cylindres au gaz, ben là, capote, finito! Plus de compression sur le cylindre numéro 3, puis j'ai levé le couvert de valve, là. Oh, j'ai levé le couvert de valve, c'était pas beau. C'était tellement pas beau, là, que là, là j'ai appelé le monsieur à l'intérieur des moteurs antiques, là, monsieur Roy Moteur, là. Puis, là, je voyais, je sors ça de là, puis j'y amène ça, puis... Ils vont me le remettre à neuf, là, pour que ça coûte pas trop cher, là. Mais tout au complet, c'est une job de 4 500 $ canadiens, là. Plus taxes, là. Non, les taxes étaient incluses à 4 500. C'est sûr que les taxes, moi, je vais aller les rechercher sur mon rapport de taxes trimestrielles. Mais là, faut déshabiller ça, puis faut sortir ça, je sais pas comment. Mais on va sûrement utiliser la vieille pelle mécanique, là. Qui marche à peu près à 78%, là. Il y a toujours la boucane blanc, mais j'ai retrouvé pas mal de force. Pas retrouvé de force dans la traction. C'est probablement les moteurs de traction. Ils coulent les deux des deux bords, là. Puis là, regardez, là, j'ai mis ma gratte sur le Silverado pour l'hiver. Puis j'aurais dû vous filmer ça, là, mais j'avais fini mon contrat, tombé sur le chômage, puis j'ai repris tranquillement de mes affaires, puis vous avez vu comment que la neige est arrivée vite. Ça, c'est mon Ford F-150 qui part à scrap, au ferrailleur. Puis le Polaris aussi va y aller. Le Polaris 500 qui est là-bas, lui, il est jamais du moteur, il va me débarrasser de tout ça aussi. Puis on va recommencer le projet abri forestier, là. J'étais à la mine, puis... Faut que j'écrive le projet comme il faut, puis je fasse un petit document là avec des photos, puis tout le kit là. Fait que demain j'ai une petite jobine de fendeur à bois, les réparer au village. Fait qu'on va recommencer la petite vie à Kenvillenaire Forestry. Fait que là on va refaire des vidéos. Fait que je vous installe à quatre ports, puis j'enlève le radiateur, puis le starter, puis je vais sûrement finir par enlever le hood aussi, puis le fan, puis le driving pour aller à la pompe. Là. OK, je vous installe, puis on recommence ça tantôt.